Aman! Bekletmesin müşteriyi. Aman! Çok memnun olacağım. Par tous les dieux. Je dois harmoniser ces anciennes cartes grecques avec les informations de l'amiral Columbus. Mais ça revient à comparer des cartes de la Lune et de la Terre. Un véritable chaos. Dah, Edio, approchez un peu. Que voulez-vous savoir? Parlez-moi de ces bombes empoisonnées. Sont-elles mortelles? Absolument, mon ami. Nous utilisons le poison du Datura. Une jolie petite fleur qui cache un secret mortel. Cette bombe tue, mais à petit feu. Faites bien attention, à vous et à ceux qui vous entourent. Grazie. Perdu la tête, c'est ça? Bonjour. Ce comportement grossier est tout à fait inconvenant. D'une mort naturelle. Thank you.
l'air facile à te regarder. Très impressionnant. Descends ou je te tue. Ça a l'air facile à te regarder. Ça suffit. Tu vas mourir. Oui, voilà. Aussi vite que le vent. À son âge ? Mais comment fait-il ? Il n'est pas trop vieux pour faire ça. Le fils de ma sœur va ouvrir sa propre... Qu'est-ce que j'ai fait ? Pardonnez-moi. Pitié. Tu as... Byzantin, mon mari. J'ai utilisé ma première bombe à fragmentation alors que j'étais encore adolescent. Je naviguais sur la Méditerranée sans pavillon, en me prenant pour un pirate. Les Français disent « corsaire ». Non, tout ce qu'ils savent dire, c'est « mort aux hérétiques ». L'océan, les embruns et la houle me manquent cruellement. Un jour, je reprendrai la mer, enfin je l'espère. Mais d'ici là, je suis au service des assassins. Voilà votre bombe. Mais faites bien attention. Je rentrerai tout simplement chez moi. Je suis désespérée, au bord de la folie. Aidez-moi, par pitié. Réfugiez-vous dans la mairie. À l'aide. Mon Dieu, prévenez les gardes. Il y a... Pas question de rester ici. T'en es trop.
Je crois connaître. Ah, les bombes fumigènes turques. Est-ce que vous voudriez les essayer ? J'hésite. J'ai déjà utilisé des bombes fumigènes, mais elles ne sont pas toujours efficaces. Celles-ci sont différentes. Notre recette spéciale produit une fumée noire, très épaisse. Avec ces bombes, ne comptez plus sur vos yeux, mais sur vos oreilles, ou tout autre sens que vous auriez développé. Mes autres sens ? Que voulez-vous dire ? Idiot, on raconte que vous êtes un homme doué de talent très étrange. N'en parlez à personne. Personne depuis le début de notre tour de garde. C'est un genre de bombe. Ça pourrait dégénérer. Qui sait ce qu'il cache encore dans son arsenal ? Whoa.
Tenez, Ethio. Une bombe chausse-trappe qui neutralisera vos poursuivants. Voilà qui est prometteur. Lorsque j'ai commencé à naviguer avec mon oncle Kemal il y a plus de 20 ans, elles étaient très pratiques dans les ports malfamés. À Rhodes, par exemple, nous avons attiré les hospitaliers qui gardaient le palais dans une ruelle recouverte de ces bombes chausse-trappes. Ah, je les revois encore sautiller dans leurs armures. Je n'ai jamais rien vu de si amusant. Essayez, vous verrez. Je me suis montré très tolérant avec toi, mais ma patience a des limites. Tu as besoin d'une bonne leçon, tiens. Il y a quelque chose d'étrange chez celui-là. Il me semble l'avoir déjà vu. Oh, oh. Un roi pourrait. Oh, mon pied. Là, attrapez-le! Là, attrapez-le! Très amusant. Tenez-le en main. Nous allons le faire! Attrapez-le! Capitaine, c'est tout ce qui est devant ton pantalon, ne me tuez pas! Il faut sortir d'ici! Vous croyez peut-être qu'on apprécie votre sauvagerie. Là-bas, allez, allez. Non, n'ayez aucune bienveillance pour ces tueurs. Je rentrerai tout simplement chez moi. N'oubliez pas votre but. Aidez vos protecteurs. Prenez part à la cause des gardes byzantins. Attrapez ces assassins. J'ai vraiment jugé la ville du fléau qu'ils représentent. N'oubliez pas votre but. Aidez vos protecteurs. Prenez part à la cause des gardes byzantins. Attrapez ces assassins. Purgez la ville du fléau qu'ils représentent. Thank you.
Je propose des affaires incroyables. Cela fait 10 mois que je travaille sur une carte pour Bayezid. Mais il est si vieux, et moi si perfectionniste. Peut-être le prochain sultan saurait-il apprécier mes efforts. Alors, que puis-je faire pour vous, Ethio? Les bombes à signaux de fumée, comment fonctionnent-elles? Vous connaissez le vieil adage. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est le principe de ces bombes. Elles émettent une colonne de fumée qui fait croire aux gardes qu'un incendie s'est déclaré. Mais comme elles sont silencieuses, seuls ceux qui voient la fumée seront dupés. Ça me plaît. Je vais essayer. Il est un peu vieux pour sauter partout comme ça, non? Oh!
Quiconque capturera l'un d'eux vous fournira des informations sur leurs activités. Comment peut-on... Pitié, faites attention, monsieur. C'est qu'il est drôle. Bravo. Il n'est pas de souffrance que je ne puisse apaiser. Oui, d'accord. Il est du devoir de chaque fidèle citoyen de collaborer avec les gardes byzantins afin d'éliminer ces monstres. Saviez-vous que les premiers chrétiens plaçaient l'Est en haut de leur carte? Ils pensaient que le paradis se trouvait dans cette direction, par-delà Cathay, car c'est là que le soleil se lève chaque matin. Quelle simplicité pathétique, non? Avec le paradis sur Terre, des globes de verre dans le ciel, et la Terre au centre de l'univers. Quel tissu de sornette! Ah, mais vous n'êtes pas venu pour philosopher. Que regardez-vous? J'ai besoin de moyens simples et efficaces de faire diversion. Alors cette bombe est faite pour vous. Sa détonation tonitruante attire l'attention de tous les soldats des environs et vous ouvre la voie. Amusez-vous bien.
Ils le savent à vide qu'on a volé. J'ai bien cru qu'il allait. Rien à faire ici. Va-t'en.
peux compter sur moi. De collaborer avec les gardes byzantins afin d'éliminer ces monstres. Ne soyez pas timide. Approchez. Oh, pardon, je vous gêne. Je m'en vais. Je vous salue. Je ne pourrai pas venir demain. Je rentrerai tout simplement chez moi. Parlez-moi de vos bombes spéciales. Bien. J'ai quelques capsules en résine. Mon oncle Kemal en était très friand. Il était capitaine dans la marine ottomane lors du conflit entre Bayezid et Venise. Il adorait les bombes en résine parce qu'elles se collaient partout. Sur les coques des navires, par exemple. J'ai perdu de nombreux amis dans ce conflit. Comme nous tous, Ethio. C'est cette guerre qui a fait de moi un assassin. J'exècre les frontières artificielles que nos dirigeants ont dressées entre les peuples. Nous combattons pour mettre fin au combat. Une bien triste ironie. Et une ironie sans fin, Ethio. Mais peut-être qu'un jour, elle ne sera plus si triste. Sois prudent. Dégagez! Pas.
faut trouver ces animaux. Il doit être nouveau ici. Ça, c'est incroyable. Au secours, garde. Reculez, ça ne vous concerne pas. Il est plutôt bizarre, celui-là. Hé, hey, vous, là-bas. Arrêtez cet homme. Avec ça. Viens donc me le dire. Il flotte comme un papillon, mais pique comme un scorpion. Tu te caches sous ton capuchon. Celle-ci a un aspect étrange. Comment l'appelez-vous ? C'est une bombe piège. L'une des méthodes les plus efficaces pour estropier l'ennemi. Vous voyez ces filaments sur le côté ? Cette bombe n'explosera que si par malheur l'on piétine l'un d'eux. Très efficace dans les ruelles étroites. Ou sous le coussin de la banquette d'une calèche. Oh, et Dio Auditore. Quel bel esprit tortueux. Je devrais garder mes distances avant que votre mauvaise influence ne déteigne sur moi. Oh, vous n'avez rien à craindre. Bien entendu. Faites attention à vos mains, hein.
reculez pas. Camille. Non, il a pas raté. Fabrique. Reviens. Réfléchis, étranger. Si je décide de te faire la peau, personne ne s'en souciera. Oh, je n'ai rien à voir avec elle. Si tu cherches la bagarre, la voici. Ne t'approche pas de moi. Je crois qu'il est en partie.